107 pour le Spécucine est de retour dans Ark. Allons en direction de l'obélisque rouge encore une fois. J'espère me rendre dans cet épisode au minimum. Ce qui serait assez intéressant. Ok, j'avais halluciné un T-Rex. Ça lag légèrement parce que je viens juste d'ouvrir le jeu, alors pardonnez-moi le léger lag si ça paraît un peu, mais ça a l'air pas être trop pire. Alors. What the fuck? Ok, non. Le poisson il fait du 90 degrés au-dessus de la surface. C'est quoi ça? Pas en mode follow. Ok, c'est du corail. Je me demandais si c'était un dinosaure qui était mort dans l'eau ou bien juste du corail qui dépassait. Et c'était bel et bien du corail. Sweet. Alors pour moi c'est la première fois que je viens dans cette section-ci. Alors si jamais je vois un beau spot, on pourrait essayer de s'établir là et de se faire une base secondaire pour pouvoir me téléporter de base en base. Ça pourrait être assez intéressant. Et là je me timbrerai un autre raptor dans ce coin là-bas pour pouvoir me promener un peu plus. Sauf qu'il faut que je pense à dropper mon stock dans un coffre avant de me téléporter, puisque lorsqu'on utilise Fast Travel, on perd toute notre shit. C'est comme si on crèverait dans le fond. C'est pas pour rien que j'avais mis un lit à la mine. C'était pour pouvoir y aller plus rapidement si jamais je crevais et que je perdais mes dinosaures. Mais malheureusement pour moi, j'ai perdu toutes mes dinosaures dans la grotte. En fait, il y en a un seul qui est confirmé mort et les autres sont peut-être... Oh, ouais. Les autres sont peut-être sous la terre, sous la map. Ok, c'est une tortue. Je vais faire attention le plus possible parce que, disons là, je veux pas rencontrer un cher T-Rex. Oh, 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 un drop. Pourquoi tu cours, toi? Qu'est-ce qui t'a attaqué? Huh! Il a été attaqué par quelque chose, mais je sais vraiment pas quoi. Je le vois pas. Pas en tout. Il y a un track là. Ok, le loot est pas trop loin. Je vais essayer de faire un petit tour du périmètre pour voir s'il n'y aurait pas de dinosaures carnivores qui essaieraient de me venir me bouffer dans le coin. À cause du parasaur qui courait un peu partout. Comme s'il avait vu quelqu'un qui venait le chercher. Pourquoi que non? C'était juste... c'était peut-être le dilo qui était coincé là-bas dans la headset qui l'a craché dessus. Ah ok, ouais, il y a un dilo juste ici. D'après moi, c'est lui qui a fait en sorte que l'autre parte en courant. Crève, sale dilo! Je déteste pas! Je déteste les dilos! Sois mort! Yeah! Oh, level 23. J'ai halluciné. Hey, le drop est là, good. On va chercher ça, puis je vais essayer de me rediriger vers la belle tour. Hein. Voir ce que j'ai de besoin pour. Ah, god dang. C'est cool. Et garoche-moi ça. Sauf le Metal Sign, je pense que j'en avais pas. Donc on va le garder si jamais je me retourne à la base. Rocket League. Un de mes amis joue à ça. Ok, cool. No. No. Ah, c'est vrai, les autres n'attaquent pas quand on est à d'autres raptors, c'est good. Fait que je me surveille pour pas qu'il y ait un foutu raptor ou un groupe de carnivores qui essaie de me tuer. Même si j'ai augmenté mon bon raptor à se battre. En fait, faudrait que je regarde ses stats. Parce qu'il faudrait peut-être que j'augmente son attaque légèrement. Et si sa santé, ça serait un bon plan. Hein? Et sa course. Il y a tellement de trucs que je voudrais augmenter sur mon dinosaure, disons-le. La vitesse de déplacement, la force d'attaque, la vie de mon dinosaure. Là, je regarde celui qui augmente plus parce que le stamina, il augmentait pas tant que ça. Ok, alors, j'approche de la tour. Good. On va aller voir ça pour le fun. Je pense que ça va être dans un seul épisode. Une chance que j'étais pas tant loin que ça finalement. Oh, il y a peut-être des roches de métal dans le coin. Je
Genre toi, t'as de l'air légèrement métallique. Yes! Good, je vais probablement juste jeter les roches sur le sol parce que j'en ai pas vraiment besoin. Malheureusement pour moi, j'ai une pioche de roches, alors c'est pas tant utile. J'aurais dû me faire une pioche de métal. Ah ouais, donne-moi du métal. Donc les roches de métal, ils ont changé l'aspect, ce qui est assez intéressant quand même. C'est bien la première fois que je vois un genre de rond dans la roche. Ouais, je pense qu'il faudrait que je diminue, que je remette à régulier la santé des Harvest, parce que là, God, c'est long. Wouh, enfin, bon, ok. Le nombre de roches que j'ai eu, je vais les dropper au sol parce que ça va juste me faire trop de poids pour mon champ de dinosaures à transporter. Wow. Je veux ride, s'il te plaît. Ok, je suis pas over encumbered, c'est bon. Huh. Ah ben là, ça rush là. En tout cas, direction l'obélisque. Je me fais distraire par des roches. Ok, j'avais halluciné, je pensais qu'il y avait un nouveau dinosaure juste à côté de moi. On va manger mes deux steaks. Oh non! Ok, c'est un carnot, c'est pas trop pire. J'allais dire, oh non, un T-Rex! Un T-Rex! You're mine, bitch! Oh, vite, hein! Oh, viens de battre! Wow! Fight me like a man! What the fuck? Oh! Il est dingue, tu crèves! Fou! Man, pourquoi il avait autant de vie, crème? Il est juste level 10. Hey, donne-moi le reste de ta vie. Cheated Lord! Spam le click like a madman! Oh my god, il y en avait go. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que je diminue la santé de mes affaires. Des corps. Ok, il y a un raptor là-bas. Je vais attendre que mon énergie revienne. Je viens si fortitude pour l'humain, ça serait, mettons, le stamina augmente plus vite. Je sais que fortitude, ça doit être sûrement pour la résistance aux dégâts de poison et autres. Mettons, dégâts de froid et dégâts de chaleur. M'aider à résister à des chaleurs ultimes et aux fraîcheurs ultimes. Est-ce que tu m'as vu, toi? Disons-le, je suis quand même assez proche, merci de toi. On va croire qu'il m'a pas vu, puis on va continuer en direction de l'obélisque. Je n'ai jamais vu cet obélisque, alors on verra bien à quoi qu'il ressemble. Ensemble, gang! On va utiliser cette roche-là. Oh, nice, ça a grimpé. Je me demandais si ça aurait réussi. Oh my god, il y a plein de roches métalliques. Toutes les roches avec une petite teinte blanche. Et les roches noires, il faudrait bien que je les essaye pour voir c'est quoi qui drop. On va aller voir juste le fun. Je vais faire attention de descendre. Ok, good. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Est-ce que tu donnes métal, toi aussi? Ok, donc c'est une autre pioche de métal. Est-ce que j'ai vraiment pas de pioche de métal sur moi? Il manque. Dommage. Ok, alors je vais prendre ça en note. C'est les roches de couleur genre doré et les roches noires de même ont du métal. Ils ont changé ça, ça paraît. Oh, mon dinosaure commence à ralentir. Je vais prendre ça en note. Je dois pas avoir un spot que je peux monter facilement. Genre ici. Yes, sir! Yes, sir! Ok, good. Voyons voir. Faut que je fasse attention parce que d'habitude ils mettent des gros dinosaures sur les alentours de ces affaires-là. Alors, on va faire attention. Faudrait que je grimpe en hauteur. Il a de la misère à sauter, il est trop lourd. Je suis trop lourd pour lui. Hop. Ok. Huh.
Y a pas de l'air d'avoir de gros carnivores dans le coin. En tout cas, y a de l'air d'avoir gros des roches minables juste ici, en tout cas. Je peux pas trop en miner parce que j'aurais pas de place. En fait, j'aurais de la place, mais mon inventaire serait trop lourd. Ça prendrait un siècle à revenir à la base, puis j'aurais plus de chances de me faire tuer que de me rendre à la base. Ok. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de carnivores dangereux aux alentours. Ok. Ça me semble... on dirait qu'on est correct ici. Broodmother. Donc des dents de mégalodon. Des bras de T-Rex, justement, j'en ai pogné une couple. Il va falloir que je tue d'autres. Oh my god, c'est quoi des sauropodes? Sauropodes. Un artefact de chacune des sortes. Ok, intéressant. Survivor level, je peux être level juste 5 pour aller faire le summoning, sérieusement. Intéressant. Je vais prendre ça en note hors caméra. Tout à l'heure. Alors, oh my god, le soleil reflète vraiment gros. On dirait qu'on verrait quasiment rien dans la vidéo avec ça. Ok, intéressant. J'adore ce spot, sérieusement. Il est malade. C'est juste dommage que je pense pas qu'on puisse se construire ici. Hein. En fait, oui, ça serait malade, sauf qu'il y a zéro. Oh, il y a des cristals! Il y a des cristals à la surface. Oh, génial! J'en ai justement besoin. What? Pourquoi tu me donnes que des stones? Suis-moi, Raptor, s'il te plaît. Ah ouais, donne-moi des cristals, je vais me faire une... je vais me faire une longue vue. Come on, tu me niaises, là? Je veux pouvoir voir la map d'en haut d'ici. Hey, tu me niaises. Il me donne que de la stone pis des cristals que je vois. Come on. Oh, tu me niaises. C'est quoi, il me faut un truc précis pour pouvoir faire ça. Come on, un cristal, il m'en faut deux, je pense. Rare mushroom. What? What? Feel lightheaded after just touching this. Ingesting it will be dangerous. Ok, on prend ça en note. Drop-moi les roches parce que c'était trop lourd. Hein. Voyons voir. Faut juste un autre cristal puis je pourrais me faire le truc. Tu me suis, hein? Ouais, ok. Je pense que Broodmother, on m'avait dit que c'était l'araignée. Donc ce serait le boss, qui est le seul boss qui serait invocable si je me fie au mon commentaire, à moins que ça soit pas celui-là. Yeah. J'ai hâte de voir un boss sérieusement, ce serait un de mes objectifs principaux dans le jeu. Sauf qu'en même temps, je vais peut-être faire en sorte de transférer oh. What the fuck? T'es pas derrière moi tout à l'heure, tu m'as fait le saut. Ah ouais, donne-moi un cristal. Heureusement pour moi... Ah, j'ai plus de touch après, fuck. Ah ouais, donne-moi ce que je veux. Bon, un crash, ce que je veux. Yeah! Bon, enfin! Ok. Craftable, fais-moi la longue vue, s'il te plaît, merci. Et drop-moi les roches. Okay. Équipe la longue vue. On se calme les nerfs avec le cri, s'il te plaît. Tu me coupes la parole bien trop souvent, bon. Ok, donc j'ai la longue vue, génial. Essayons de grimper en hauteur. Je veux pas voir le péteux de mon dinosaure, s'il vous plaît. Ok, donc reste là, mon cher ami. On va essayer de grimper en tant qu'humain. Ok, bon, la roche est glissante, on prendra pas de risque. Ok, on va juste se placer à une place que je peux voir le reste de l'île. On va essayer d'observer d'ici la map. Ok, ça ne sort pas par ici. Sérieusement, j'aimerais vraiment pouvoir voir
J'ai vraiment hâte de voir les boss. Et j'ai tellement peur de passer au travers de la map. Disons-le, c'est coïncide. Oh my god. Une chose est sûre, les gens qui dominent la montagne vont gagner. Ils gagneraient dans un PvP assuré à 100%. Ok, on va voir. Oups, je suis en train de faire un compo. Oh ben pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est quoi qui vient de se faire tuer? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de mort là. Check-moi ça. Oh my god, c'est vraiment malade. J'adore. J'adore voir ça de haute en hauteur. Sérieusement, c'est hot. Surtout le volcan. Je pense qu'il y a une mine au top du volcan. Faudrait que j'aille voir là un moment donné. Voyons voir la map. J'ai-tu déjà été voir ce volcan-là, moi? Alors, si je sors la boussole... En ce moment, je regarderai vers... Attends. Si je me fie à ça, ça devrait être en bas à gauche de la map. À moins que je regarde au mauvais sens. Parce que là, ça, c'est derrière moi. Ça, c'est à la droite de l'obélisque, donc c'est à 20-80 approximatif. 20-75, on va dire plus. Donc, ce qui veut dire que la montagne, elle est approximativement... ouais, donc j'aurais été la voir. Sauf que je pense que j'ai pas monté jusqu'en haut au complet. Ce serait intéressant d'aller voir, d'ailleurs. Il y a peut-être bel et bien une mine au bout de ces affaires-là. Donc, faudrait que je me retame un pteranodon. Calme des nerfs avec ton gris, bordel! Il y a quelqu'un qui parle en ce moment. Oh my god. Oh my god. Je me suis... Ok, donc il y a un drop mauve. On va... Je vais mettre fin à l'épisode ici. Alors, c'était Etienne 207 pour le Spégussin. On va se revoir dans un autre épisode. Puis je pense que je vais aller continuer à explorer la map. Essayer de trouver le plus possible... ce qui reste à découvrir dans la partie gauche de la map. Sérieusement, la map est vraiment hot. Je l'adore, la map. Le paysage, je l'adore. Alors, au revoir et à la prochaine, tout le monde.